Et bien voilà, après une si longue exploration des terres de Elden Ring et après avoir relevé tous ces défis, des fois assez compliqués, je pense qu'on peut le dire, nous voici prêts à découvrir la Table de la Grâce. C'est un endroit qui est chargé de lore, un endroit dans lequel nous allons découvrir des éléments de scénario en compagnie de moult personnages. C'est ce qui vous attend dans le début de ce nouvel épisode. Allez, c'est parti! Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans la suite de l'aventure Elden Ring. Alors comme je vous le disais, nous sommes aujourd'hui dans la Table de la Grâce. C'est un endroit dans lequel on nous a téléporté en nous disant « bah voilà, c'est ici que continue ta destinée, il va falloir passer par cette étape quoi qu'il arrive, donc on y est ». Je rappelle quand même ce qu'il s'est passé précédemment dans les autres épisodes. Je sais pas d'ailleurs si tout le monde a vu tous les épisodes, je me pose vraiment la question, est-ce que vous regardez tout? Ou est-ce que des fois vous vous dites « oh non mais en fait, bon, je zappe l'épisode 8 et je passe au 9 directement », bon, vous me direz. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons bien exploré la Nécrolimbe et on a également vraiment commencé à bien entamer Kaelid. Donc le principe c'était le suivant, commencer par avoir une direction, donc on en a eu deux. Le premier c'était le château de Hurlevent et la deuxième direction c'était le château du roi rouge. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que à la fois dans cette première destination et autant dans la deuxième, eh bien, nous avons ensuite marché un petit peu en épi pour découvrir ce qu'il y avait d'autre. Et notamment, nous avons pu enfin découvrir le secret de Celia. Celia qui était cette cité des mages dans laquelle on a eu notamment quelques combats à effectuer. Et puis, ce qu'il s'est passé surtout, c'est que là, nous attendons en gros deux choses, que vous ayez bien tout en tête. La première chose, c'est de trouver un ascenseur qui est maintenant déverrouillé puisque nous avons deux éléments d'un médaillon qui ont été rassemblés dans deux châteaux, le Fort Pharos et le Fort Eight. Et sinon, donc, l'autre truc, c'est qu'on attend le festival. Un festival qui aura lieu normalement dans le château du Roi Rouge, dans lequel on devrait avoir un énorme combat. Et puis, bah, bien sûr, hein, le cap toujours, on devra à un moment quand même aller du côté du château de Nécrolimbe. Alors j'ai vu notamment des retours là-dessus, où il y a plein de personnes qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que je n'y vais pas tout de suite, ou alors même qui me disent « mais quelle vanité de vouloir absolument faire tout le jeu avant de faire ce truc en dernier, machin, tatata, juste pour montrer que t'es trop fort, machin », ce qui est faux, ce qui est complètement faux. Déjà d'une, je suis pas fort, et de deux, c'est pas par vanité. En fait, c'est juste que je veux vraiment dans cet itinéraire montrer, et même me prouver à moi-même, qu'il est possible de faire le jeu un petit peu dans l'ordre de son choix en fait. Et c'était vraiment l'objectif, et je me rends compte qu'on peut le faire. Donc du coup, bah, très content de ce qu'on a fait. Et puis de toute façon, il y a aussi d'autres personnes, donc je vais répondre à cette question-là et après on attaque, qui me demandent comment on va faire. Parce que le problème, c'est que là, effectivement, mon personnage a un niveau qui est très avancé. Eh bien, je pense qu'on va choisir une tenue très particulière qui fera qu'on aura peu de défense. Donc on va remonter un petit peu la difficulté et redescendre mes statistiques. Et l'autre truc, c'est que je vais changer peut-être aussi un petit peu d'arme pour pouvoir faire moins de dégâts. Ou alors changer peut-être les statistiques qui lui sont associées. Bref, on va tester des choses. Concrètement, on va tester un petit peu les choses. Donc ne vous inquiétez pas, le défi sera quand même au rendez-vous. Mon objectif, de toute façon, c'est de prendre du plaisir sur le jeu et de le découvrir vraiment. Donc il est hors de question d'arriver sur un boss et de le tuer en deux coups. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Maintenant, on va pouvoir continuer. Merci encore une fois pour tous les retours que vous avez laissés. Très utile de pouvoir voir un petit peu ce que vous pensez de l'aventure et de pouvoir voir ce qui vous plaît et ce qui vous plaît moins. Et notamment, j'ai noté un dernier point et après, promis, j'attaque. Beaucoup de gens qui m'ont dit que ce serait pertinent de faire plus régulièrement des allers-retours en fait au niveau de la carte pour montrer où est-ce qu'on est et dans quelle direction on va. J'avais l'impression de le faire de plus en plus et que ça allait, mais a priori c'est pas encore suffisant. Donc je vais essayer de faire un effort et de vous donner un petit peu les indications, notamment nord, sud, est, ouest. Et faudra quand même se rappeler du point de départ, mais en tout cas voilà, je vais essayer d'être plus précis dans tout ça. Allez, c'est bon, on va attaquer. L'intro était trop longue décidément, mais c'est pas très grave. Je vais commencer par vous présenter un petit peu ce lieu. Donc nous sommes effectivement dans la table de la grâce avec ce grand symbole qui est là, qui ressemble évidemment au site de grâce. A priori des gens qui sont présents ici. En fait, j'ai l'impression que c'est le hub du jeu, comme dans beaucoup de jeux Souls, potentiellement un endroit où on aura des marchands. Qui sait, c'est peut-être là que j'aurais dû acheter une armure et des armes. On va voir. Allez, c'est parti. Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Alors, je vais quand même vous préciser quelque chose. On est dans un lieu dans lequel on va avoir beaucoup de dialogues. Si ça vous saoule, si vous voulez vraiment le gameplay, je rappelle que le chapitrage est là pour ça. Allow me a word of advice. As your senior,
You are a mere visitor to the Round Table. Nothing more. A house guest. Yet to earn their keep. Remember your place, newcomer. There's nothing left to say. Ok, alors on va aller voir effectivement d'autres personnages. J'en ai vu un qui était assis, j'en y en a un ici aussi. I don't believe we've met. I'm known as D. I hunt down those who live in death and weed their death root. Heed my warning. Those who live in death should be left well alone. All the more should you spy a mariner among their number. Unless you wish to lay down your life in vain. You've met Garank, I take it. Then owing to our duties shared, we are now comrades in arms. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. Alors, on peut étudier les incantations. D'accord, encore une fois, les choses qui pourraient être intéressantes. Alors, je me demande si à un moment, je vais pas faire le build avec un petit peu d'intelligence et de foi, l'une ou l'autre, ou les deux. On y reviendra, on en parle après. I serve the Golden Order. That I might put this crooked land to rights, following only the guidance of the Great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated, down to the very last. Très bien. Ah, hello. You must be new here. I'm... well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya. She's a servant to my house. She's been my companion. I've lost count of them, honestly. Je passe un petit peu le dialogue, on a compris. Donc si on voit Lanya, il faudra s'en occuper. Alors je vois que j'ai enfin les marques qui sont du coup les marques joueurs et joueuses. Donc ça c'est quelque chose que l'on peut faire nous-mêmes. Poser en gros un message pour les autres gens. Et en fait je réalise que malheureusement j'ai activé le truc en ligne du coup. Donc il y a des chances qu'on se fasse envahir, on verra. Oh. I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. You do? Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Alors, on a encore d'autres incantations. Alors, je peux récupérer notamment une capacité de soin. Et même mieux que ça, une capacité qui me permet de dissiper le poison. Alors ça, c'est trop utile. C'est vraiment, vraiment très, très, très utile. Alors, il y a aussi la boule de feu, ou alors une flamme comme ça. Je peux augmenter la résistance. Alors, c'est rigolo, parce que toutes ces incantations sont des choses que je peux utiliser, vu qu'il me faut 10 de fois. Ah, il y a quand même des trucs qu'on peut pas avoir. Repousser les ennemis éventuellement. Je vais prendre un truc pour le poison, parce que du coup, ça évite de faire l'objet. Donc, c'est plutôt pas mal. Très bien. Alors, je vais continuer d'explorer, je vois qu'il y a pas mal de choses. Attends, on va commencer par aller là-bas par contre, parce que j'ai l'impression que je vais me perdre sinon. Est-ce que je me perds pas déjà? Oh! Ah, le forgeron, ça y est, donc c'est là qu'on pourra améliorer l'arme à plus 3. Your new face. Not loud your arms. Let's get smithing. Alors, cendres de guerre, chose qui est très important. Je peux dupliquer les cendres de guerre moyennant des objets spéciaux. Alors ça, je ne savais pas. Mais du coup, très bonne chose, parce qu'effectivement, si on joue double arme, on peut jouer double effet également. Et on va pouvoir donc renforcer les armes au-delà de ce qu'on a déjà. Donc là, c'est l'argent qu'il me manque. Mais par contre, je peux effectivement monter l'encre rouillée à un niveau bien supérieur.
Peut-être que je le ferai pour plus tard, pour garder mon encre malgré tout, même si, comme je vous le disais, il y a un moment où on va changer d'arme temporairement. I see you've noticed the chains. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. Nah, don't read too much into it. I've no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Given time, technique never fails. Besides, it helps me forget the sheer terror of her. Alors, je sais ce qu'on va faire ici. On va peut-être prendre une petite initiative intéressante. J'ai très envie de continuer évidemment l'exploration dans plein d'endroits, mais surtout j'ai très envie qu'on puisse être libre de nous balader en Kaelid, notamment par rapport au boss que je rencontre, que je ne peux pas tuer en fait. Il y a eu plusieurs fois où on a fui, juste parce que je ne faisais pas assez de dégâts, et je vous cache pas que ça m'a un peu frustré. Donc on va partir sur le build, qui sera mon build final, celui qui va être l'arme que je vais utiliser, et en même temps l'armure que je vais garder. Ça c'est l'objectif, la perspective. Évidemment il y aura des fois où je vais changer pour pouvoir m'adapter au niveau dans lequel je suis, pour ne pas rouler sur le jeu. Mais donc, ce qu'on va faire, eh bien, c'est que je vais peut-être utiliser une des runes que j'ai ici pour pouvoir monter mon arme à un niveau supplémentaire. Là, par exemple, vous voyez, je récupère un petit peu d'argent. Et donc, je vais quand même essayer de voir jusqu'où je peux aller avec cette encre-là. Et notamment, bah, je pensais à ça. Voilà, que je vais améliorer plusieurs fois. Et qui va normalement gagner beaucoup en puissance. Ok, donc ça, c'est une chose qui est plutôt pas mal. On va voir maintenant s'il y a peut-être de l'armure, je ne sais pas. Ce sera la grande découverte. Alors, je vais... Attends, on est d'accord que lui, c'est une forge donc d'armes. Il me propose pas d'acheter des choses. Non, je peux vendre par contre. Très bien. Alors peut-être l'armure sera ici. Ah, bonjour. Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly. Perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a baldekin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Ah, my thanks, great champion. You are very warm. On va se calmer. What you felt light up inside you was a baldekin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms as often as you need. C'était très bizarre comme séquence, mais mais pourquoi pas. En même temps, est-ce qu'il y a un truc qui est pas bizarre dans les jeux From Software? Je ne sais pas. Il y a toujours des moments un peu improbables, mais celui-là était quand même particulièrement étonnant. On va dire ça comme ça. Ah, je peux changer mon apparence si j'ai envie. Ah, trop bien. Eh bien, je ne savais pas. Est-ce que c'est la même chose ici? Parce que je vois qu'il y a des messages encore une fois annoncés juste admirer, saisir à deux mains. D'accord, j'ai pas exactement compris le principe. Alors oui, il y aura toujours des messages pour nous spoiler. Ou alors, nous troller. Ça c'est une spécialité, hein, vraiment. Doigts mes trous. Je pense qu'on s'en rappelle tous pour les gens qui l'ont éventuellement fait. Tous ces faux murs invisibles également qui sont signalés. Toujours très drôle. Ah, alors attendez, il y a des petites choses ici. Alors déjà... Ah! Alors, peut-être une zone que je peux pas encore explorer. Là on a quoi? Alors la porte ne s'ouvre pas. Essayez faire signe. Vous sentez arriver le troll ou pas? Mais ça, c'est ça qui est trop chiant avec ces messages. C'est pour ça que je ne l'aimais pas. C'est que du coup, bah, t'es tenté de faire des trucs à la con, quoi. Hey! Alors qu'en fait, ça ne sert à rien. Voilà. C'est la magie de From Software et des messages qui te sont laissés parfois. Ah! Alors, heureusement, on a ça.
Maintenant, faut voir à quoi ça sert, quoi. Ah, donc il y a un coffre qui a été planqué ici. Ah oui, d'accord, dans cet endroit, en fait, il y a vraiment de quoi se ruiner. Alors, heureusement, j'en avais quand même chopé pas mal. On a récupéré l'arbalète noire et des carreaux. Bon, bah, super. Je vais dépenser une autre clé lame de pierre. Heureusement, j'en avais quand même beaucoup. Quand soudain, nouveau coffre. Très bien. Et là, le bestiaire de l'assassin. Ah, alors attends, on va regarder ce que c'est. Ah non, c'est le bréviaire, pardon. À donner à un prêtre expérimenté pour obtenir de nouvelles incantations. Ah, d'accord. Alors, je peux lui donner le bréviaire, du coup. That is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Earth Tree. Very well. I'll take it off your hands. Et là, on voit de nouvelles choses. Ténèbres. Créer une zone de ténèbres qui dissimule l'utilisateur. Ok. Donc on pourra éventuellement apprendre d'autres choses. May the Golden Order shine through you. Bon, soit. Alors est-ce qu'ici on va retrouver quelqu'un? Oui. What do you need? I have little time to spare. Oh, are you aggrieved at the notion you are but a visitant here? Then you would do well to remember the first words of grace given to you. Stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. If those words held any meaning to you, follow the guidance of grace. Lay low the shard bearers and claim for yourself a great rune. Do so, and the doors to the Round Table's inner chamber will open, and you will receive the wisdom of the Two Fingers. Once the wisdom of the Two Fingers becomes your own, I'll impart to you a proper welcome. As a true member of the Round Table, I have high hopes for you. I'm sick and tired of them. These namby-pamby tarnished think us no more than a shelter from the rain. Ce personnage est vraiment, vraiment, vraiment trop cool. Alors juste, il y en avait un qui était là, mais a priori, je ne peux pas lui parler. Et vu le nombre de messages qu'il y a autour de sa gueule, clairement, c'est un perso important. Il est hors de question de les lire parce que ça sent le spoil comme toujours. Je vais tellement me déconnecter par contre, ça c'est vraiment... Je vous conseille de toute façon dans ce jeu pour le premier run de jouer sans... comment dire... Bah sans les messages parce que concrètement déjà vous vous gâchez des trucs et puis parce que bah vous avez pas le même aspect de découverte en fait. Devant le moindre secret vous avez tous ces trucs là qui sont indiqués et puis des fois des indications qui ne devraient pas être là quoi. Ah! Alors je peux acheter ici tout un tas d'éléments. Alors déjà je pourrais acheter une armure de chevalier. Alors j'aurais bien aimé comparer avec celle que j'ai déjà, faudra que je regarde quand même vite fait. Je vois qu'on a quoi? On a quand même pas mal de choses qui sont proposées. On a le sceau des doigts. D'accord, donc une arme a priori que je peux utiliser. Je vois qu'il y a une hache de guerre. Depuis le début, je cherchais une hache qui pouvait m'intéresser. Bah là, je suis enfin face à quelque chose qui aurait peut-être un petit peu d'intérêt. Très intéressant cette histoire. Donc les arcs runiques qui sont des objets qui octroient la bénédiction d'une rune majeure équipée. Alors ça, c'est vrai que j'avais oublié de le dire, mais oui, effectivement. Il y avait des petites choses. Ah, vous pouvez prendre l'apparence d'un allié. Ouh, ça, ça a l'air intéressant cette histoire-là. D'accord. Ok, alors bah, ça ce sont tous les éléments qui sont disponibles et donc je peux aussi augmenter... Ah d'accord. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais faire ça et ça. Pourquoi je récupère la hache? Parce que ça pourra être éventuellement l'arme que je vais utiliser lorsqu'on sera dans les zones de départ. Bon, j'ai beau fouiller, je ne trouve pas plus que ça en fait. C'est-à-dire que je m'attendais vraiment à tomber sur des personnages qui allaient me raconter un peu des choses et qui allaient me dire « Mais va vers là-bas, tout ça, machin !» Avec peut-être une perspective un peu plus précise. Et finalement, c'est pas forcément le cas. C'est pas très grave. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce que je vous ai dit. On va retourner sur des zones que j'avais déjà eu l'occasion d'explorer, mais pour y trouver peut-être eh bien, des boss que je peux maintenant affronter avec mon arme qui est améliorée. Donc, j'avais noté quelques petits trucs. Hein, vous voyez ici, il y avait quand même quelques symboles pour que je m'en souvienne tout simplement. Et j'avais quand même cette frustration de ne pas avoir fini, entre guillemets, d'explorer Kaelid comme je le voulais. Donc on va revenir par ici et puis on va essayer de compléter un peu tout ça. C'est parti. Alors pour commencer, on va guérir cette frustration-là. Le double ennemi, rappelez-vous, qui m'avait bloqué où je m'étais dit « Oh non, mais c'est pas possible, ils l'ont pas fait !» Du swap color et du double ennemi de partout, on va commencer par ça. Normalement, ça devrait aller vite.
Oula. Alors par contre, si je tape dans la tête, ça va être chaud. Alors déjà, un ennemi comme ça, c'est pas évident, évident. Mais alors deux, laisse tomber quoi. Peut-être que ce que je peux faire, vu qu'ils sont deux, c'est charger une invoque. Ouah, c'était pas mal ça. Allez, je commence à comprendre un peu le rythme du truc à force de me louper, mais... Quel enfer quand même. Quel déséquilibre dans la force. Vraiment, c'est trop chiant. Bon, j'ai pu mettre deux coups, c'est cool. Bon, on va dire que pour cette fois, quand il y a plusieurs ennemis, je m'autorise quand même un peu des invoques parce que c'est juste trop chiant. Allez, surtout des trucs que j'ai déjà fait. Encore une fois, je rappelle, le but c'est même pas tant qu'il tape, c'est juste que moi je puisse taper tranquille quoi. Allez, j'ai plus qu'une potion. Il en a buté un. Je vais aller flinguer le deuxième et on n'en parlera plus. Attends, il se passait quoi là? Aïe. Bon, je l'achève maintenant. On n'en parle plus après, parce que là, vraiment, cet ennemi-là, c'était pas possible. C'est juste pas fun, en fait. Hop. 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 Allez, on n'en parle plus. Ouais, bon, c'était pénible. Je l'ai pas fait très proprement, mais honnêtement, c'est pas grave, parce que c'est pas un boss qui m'amusait beaucoup. Et le but, c'est quand même qu'on s'amuse. Donc là, on va dire que c'est pas très grave. Par contre, est-ce que je récupère quelque chose de bien? Normalement, après ce boss-là, un coffre intéressant. On va voir. Et là, il nous donne... un bouclier visage avec un truc bizarre. Alors, c'est un vrai bouclier que je peux équiper, hein, je pense. Et si je regarde ça, ça va être ici. Et c'est quoi, en fait, son délire, là? C'est un bouclier qui va pouvoir être contendant, qui a l'air d'avoir énormément de physique, qui a l'air de faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Par contre, qui demande une force de 44 pour être utilisé. Donc, je m'en servirai peut-être un jour, mais dans tous les cas, plus tard. Alors, je suis retourné dans les catacombes. Rappelez-vous, c'était à côté de l'arbre monde mineur. C'est une zone dans laquelle on avait un boss, en fait, que je n'avais pas fait, puisque c'était le double Némésis. Le Némésis, c'est l'ennemi que j'aime pas du tout, rappelez-vous. Hein, cette espèce d'horrible chose, là, un peu en mode chat égyptien, tout ça. Mais en pas bien. Et donc là, pareil, pas de pitié, on va y aller avec l'invoque parce que vraiment, c'est pas du tout un combat qui m'excite. Au contraire, vraiment, je l'ai redouté un peu longtemps. Alors, est-ce que seulement je vais pouvoir juste l'enchaîner proprement? Je suis même pas sûr en fait. Ah, oula, attention, parce que quand même, je m'attendais pas à prendre autant de dégâts. Ah, mais je lui ai... D'accord. Il a tué mon invoque en 2-2. Bon, bah, c'est déjà ça de prix, on va dire, mais c'est pas fou. Bon, j'ai mis une attaque, c'est déjà ça. Et je fais pas tant de dégâts. Allez, on bute. Donne tout. Allez, tape deux fois, voilà, très bien. Et là, esquive. Ah, dommage, j'ai esquivé vers lui, j'aurais tellement pas dû, je suis trop bête. Non, esquiver trop tôt, oh là là, terrible. Là, je fais des erreurs vraiment dommage par rapport au combat, puisque je pourrais vraiment gérer ça mieux. Là, je pense que je peux taper vers lui et m'éloigner. Ouais, c'est bon, c'était un bon coup. Alors, le problème, c'est que il est beaucoup plus fort pour moi d'en buter un et ensuite de rester tranquille pour tuer l'autre. Donc, je vais vraiment me concentrer sur celui qui a l'épée. Waouh, joli ça. Et je tue. Oh yes. Allez, c'est bon, et 2-1. Bon, là, normalement, je peux avoir le deuxième. J'ai deux potions pour le faire. Y a pas de raison, c'est que du temps. Oh, j'ai voulu esquiver, ça n'a pas marché, je suis au bout. Non, je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. En plus, par contre, alors ce que je constate, c'est qu'il a quand même beaucoup de santé. Hein. Allez, 1, 2, tant pis pour le deuxième coup. Mince, je pense pas qu'il pouvait combo. Je fasse gaffe, il me reste une potion. Oh, trop loin. Allez, esquive. Ouais, ça va être fini. Il n'y a plus grand chose à faire. Est-ce qu'il va faire un deuxième saut? Non. Esquive. Voilà, très bien. On revient vers lui. Re le saut.
C'est bon, rien de méchant, franchement. Mais comment j'ai pu rater ça? Comment? Ah, j'avais plus d'endu, c'est pour ça que l'attaque, elle est pas passée. Allez, tue. Voilà, on n'en parle plus, c'est bon. Ok. Donc, j'ai tué les deux double boss. Maintenant, on va peut-être pouvoir passer les choses un peu plus inédites. Alors ça, je dois pas pouvoir l'invoquer parce que bah, j'ai pas assez de points. Mais par contre, monstrueux. D'avoir cet ennemi-là avec nous, monstrueux. Vous allez voir qu'à la fin, je vais pouvoir invoquer le chat carrément. Ça va être complètement fou. Bon, super. Allez, on va enchaîner avec autre chose. Alors souvenez-vous, je crois que c'était l'épisode 5. On a débarqué de manière complètement impromptue dans la grotte cristalline. Pas par un téléporteur comme c'est arrivé à beaucoup de monde. Mais simplement par le biais du chemin qui nous était proposé en arrivant en Kaelid. En fait, on est arrivé à Kaelid via le fameux ascenseur qui venait de la zone souterraine. Et en fait, là, ce qui s'était passé, c'était que j'avais réalisé que juste je ne pouvais rien faire, quoi. C'est-à-dire que les dégâts étaient trop peu importants pour que je puisse espérer quoi que ce soit sur le combat. Et surtout, le problème, c'est que je me faisais tuer en un coup, donc ça rendait les choses juste infaisables. Maintenant, je suis quand même bien mieux protégé. J'ai beaucoup plus de santé. J'ai une arme qui fait des dégâts. Et donc j'ai pu tester et voir un peu ce que ça donnait, et effectivement le boss est à ma portée. Maintenant il me reste quand même tout à apprendre, donc on va essayer de voir s'il est possible de le tomber. Par contre je vous cache pas que c'est le genre d'ennemi où je vais devoir jouer un peu concentré. On va essayer de faire les choses bien. Oula, attention, ouah, j'ai eu tellement de chance. Attends, esquive, oh, j'ai eu du cul. Attends, j'ai plus d'endu. Ouah, il allait trop vite pour moi, je m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Attendez, attends, calme-toi, c'est bon. Ok, on se détend. Allez. Donc cette attaque là je la connais à peu près. Il y a des choses que je vois dans le pattern et d'autres que je vois beaucoup moins. Il y a des choses que je reconnais aussi un petit peu de des ennemis un peu similaires de Sekiro notamment. Donc je pars pas de zéro. Ouah, attention la queue. Voilà. Et là faut vraiment que je fasse gaffe à l'endu. Oh, mon dieu. Alors je vais mettre juste un poc parce que si je mets un combo, c'est sûr je vais le regretter. Aïe, ah dommage. Faut vraiment que je reset l'endu. Aïe, ouah, grosse erreur encore une fois. On esquive. Parfait. Attends, il est tombé? Mais non. Aïe, par contre, il est pas gratuit non plus quoi. Alors, je m'étais dit, peut-être que la solution c'est de le faire tomber comme je viens de le faire. Attends, c'est quoi ça? What? Ouf. Ok, alors je pense que j'aurais pu le bourrer. Et là en fait le twist, c'est que cet ennemi est un ennemi de gravité. Mais attends, du coup il a un autre pattern là? Non, parce qu'autant j'étais préparé à la suite. Si ça continuait, mais... Mais qu'est-ce qu'il fait? Ouf. Pourquoi je vais me faire tuer? Ah ouais, non mais en fait je vais galérer. Je m'étais dit allez c'est bon, j'ai pris la confiance, ça va bien se passer. Et en fait pas du tout. Alors attention, 1, 2, 1, 2, 3, bim. Et bah non. Ouais, j'avais essayé de retenir ce truc là aussi parce que clairement c'est une de ses grosses attaques. Attends, je me reprends la même de tout à l'heure là. Bah ouais. Comment je fais pour esquiver ce truc là? Si ça se trouve, si je fais l'esquive pendant qu'il est en train de faire la gravité, bah on voit quand même qu'il y a beaucoup de fenêtres d'ouverture pour taper. Et ça se trouve, c'est vraiment une des astuces pour l'avoir quoi. Non, j'avais esquivé abusé. Par contre là, je m'en sors plus, j'y arrive plus. Là, j'ai trop de nouvelles choses dans le pattern, je m'en sors plus. Ouais, je vais tellement crever, je suis pas mort. Pff, miracle. Allez, j'ai pu me soigner, c'est bon. Waouh. Ok, ça c'est cool. Je peux retaper. C'est pas grave. Bon, j'ai eu du cul. J'ai plus que deux soins. Donc là, plus trop de possibilités de se louper. Oh là là, mon dieu, fait tellement mal avec ça. Et encore, c'est pas tant de dégâts. Hein. Allez, le soin. Faudrait vraiment qu'il fasse un truc où je peux enchaîner un combo. Parfait ça. Ouais, c'est en fait c'est vraiment un boss beaucoup plus de la contre-attaque que ce qu'on pourrait imaginer.
C'est plus de la réaction qu'il faut avoir et pas trop d'initiative. Attends, je vais garder tranquillement. Ouais, non, je sais pas. Alors peut-être si je suis pas dans son champ d'action. Waouh, le timing des enfers. Je me soigne. Et j'ai l'impression qu'il est prenable hein, quand même. Hein. Je veux dire sur ce try. J'ai envie d'y croire. Ok. Allez, s'il tombe, c'est faisable. Ouais, ça va être chaud. Il manque pas grand chose. Hein. Il manque vraiment pas grand chose, je suis au bout. Allez, tombe. Oh, il est tombé. Oh oui. Oh putain, je l'ai fait. Oh, je l'ai fait. Oh, je suis choqué, je l'ai fait. Oh là 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 là. J'ai arrêté de parler quand j'ai senti que c'était vraiment la fin et c'est passé quoi. Donc récupération de pierre de forge à l'infini, pierre gravitationnelle massive, très bien. Oh, et la perle de mineur de pierce. Attends, c'est quoi ce truc là, la perle comme ça? Oh là 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 là, oh là 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 là, j'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Franchement, j'ai lancé le try un peu au pif pour être honnête. Et en fait, c'est passé nickel quoi. Alors, offrande pour les carcasses de servantes jumelles permettant d'accéder à de nouveaux objets. Oh, trop bien, mais attends, mais trop cool. Donc là, en fait, ce qu'il faut que je fasse, on va pas se poser trop de questions. C'est-à-dire que là, attends, j'ai bien tout, hein. J'ai mes âmes, j'ai machin, il n'y a pas de coffre ou de secret plus que ça. Non, ça a l'air d'aller. Eh ben, écoutez, on va aller voir les jumelles. Alors, elles étaient là, on va leur donner la perle. Et voir. Il y a des choses à acheter, là, en plus? Je n'en vois pas. Ouais, je peux me tromper, mais il n'est pas impossible que ce que j'ai récupéré de bien, c'est les pierres de forge sombres, en fait. Qui n'étaient pas forcément là jusqu'à présent. Avec des armes spéciales jusqu'à plus 2. Alors les armes spéciales, il me semble que je n'en ai pas. Ou alors je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, là, l'arme que j'ai, par exemple l'encre rouillée, n'est pas une arme spéciale, quoi. C'est une arme classique qui demande des pierres de forge classiques. Bon, bah c'est passé, c'est un miracle. C'est un miracle, vraiment. Trop bien. Alors, on va tenir compte des bonnes résolutions de début de vidéo. Je vais vous expliquer où est-ce que je suis et où est-ce que je vais. Je suis en Kaelid, au niveau du PNJ, vous savez, la vieille dame qui était sur le muret de feu. On la voit à cet endroit. Et d'ailleurs, bah, si vous regardez dans cette direction, pile poil, on voit un château. Et ce château, il me semble que je ne l'ai pas déjà exploré. Donc on peut regarder au niveau de la carte où est-ce qu'il est. Nous, on était à la base en train de suivre ce chemin. Et c'est vrai que j'aurais pu potentiellement eh bien, vouloir me diriger vers le fort, on va le faire. Alors le problème c'est que je vois pas exactement où est-ce qu'il est. Bon, on va tenter en se déplaçant simplement et puis bah si jamais je tombe sur des choses sur ma route, on ira puisque bah très certainement il y a des donjons ou des boss que je n'ai pas encore affrontés qui étaient posés ici. Bah tiens, typiquement peut-être un marchand que je n'ai pas encore aperçu et qui a peut-être des choses à nous raconter. Pas du tout un marchand en fait. Ah, c'était un coffre simplement. Et bah écoutez, pourquoi pas, on va voir ça. Oula, attends, calme-toi. Oula, 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 oula. Attends, je pensais pas me faire rooster comme ça, là, d'un coup. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout là? Aïe. Ça y est, ça pique. Oh, le saut était juste magnifique. Bon, inutile. Mais magnifique quand même. Allez, attaque lourde. Oula. Attention, le cri. Attends, il y avait un truc derrière ou c'est que j'ai halluciné? Ah non, c'était une branche, d'accord. Putain, ce jeu est tellement menaçant que même les branches te font peur, quoi. On en est à ce degré-là. Donc on va essayer d'aller vers le château, voir s'il y a peut-être des récompenses ou des choses intéressantes à débloquer. Là, j'ai chopé un œuf endormi, donc a priori une ressource. Peut-être une ressource qui va me servir comme c'était le cas pour les mortes, je sais plus quoi. Avec un PNJ, en fait, qui les achète, tout simplement. Oula, mais il y a du... D'accord, il y a du monde par ici. Ah, attends. Oh, cette zone est tellement particulière. Je commence un petit peu à en avoir marre, honnêtement, de Kaelid, dans le sens où bah, j'aime beaucoup l'endroit parce que c'est juste trop impressionnant. Mais c'est vrai que là, je commence à avoir envie un peu de voyager, quoi, et de voir d'autres contrées.
Oula, il y a beaucoup beaucoup d'adversaires d'un coup là. Quand soudain... Oh non mais ici c'est sûr et certain, j'ai encore une porte ou un truc à voir. Peut-être quelque chose que j'ai déjà vu. Est-ce que j'ai déjà visité cet endroit? J'avoue que c'est pas impossible. Non, si j'avais visité j'aurais pris très certainement cette pierre de forge. Ah, et là enfin, ce que je cherchais... Oula! Attends, parce que ça on sait très bien ce que ça donne. Ah, d'accord, bonjour. Alors il n'y a pas eu de zone de checkpoint, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. On va voir. Ah, un coffre directement en plus. Bah super. Une épée de Sainte Trina. Ouh, intéressant. Est-ce que je peux l'équiper seulement? Hélas non. Il me faut 14 d'int et 12 de dex. D'accord, c'est une épée de magie encore une fois. Effet passif, accumule du sommeil. Ok, elle a l'air assez jolie hein, ceci dit. Et alors qui est Trina? Épée d'argent portée par les clercs de Sainte Trina inflige l'altération sommeil aux ennemis pour les endormir. Sainte Trina est une figure énigmatique. D'aucuns disent qu'il s'agirait d'une jeune fille amène. D'autres sont persuadés qu'elle serait en réalité un jeune homme. Une chose est sûre, son apparition fut aussi soudaine que sa disparition. J'ai tellement envie de reroll. Il y a des fois, je me dis, bon, j'adore mon arme et j'adore mon build, mais j'aurais aimé aussi voir d'autres petites choses, quoi, de temps en temps. Donc peut-être que je referai le jeu plus tard, effectivement, comme je vous l'avais annoncé, en mode magie. Pourquoi pas éventuellement se faire un marathon où on traverse complètement le jeu, il n'y aura peut-être pas de VOD juste en live comme ça pour voir justement tout ce que j'ai pu manquer quoi en termes de... Même de build de Dext, hein, j'ai vu qu'il y avait des choses super intéressantes. On testera. Alors maintenant que j'ai vu ça, est-ce que ce château est à ma portée? Ben... Il est où? Ok, j'ai quand même réussi à dévier tellement de ma route que j'en ai perdu la direction du fort, mais c'est pas grave. On y retourne. Alors un fort qui a l'air assez immense, soit dit en passant. Oula. Et un camp. Alors dans le camp, encore une fois, généralement il y a toujours des petites choses. Oh, et ben pourquoi pas. La galerie de Gaël. Bon, je pense pas qu'ils aient mis ça quand même. Ça aurait été trop beau d'avoir Gaël dans le jeu. Mais, peut-être. Des choses intéressantes. Oh, cette arme est tellement le plaisir. Est-ce que je peux seulement sauter là? Parce que... Ah oui, peut-être... Peut-être là. Très bien. Ensuite, un objet à choper. Ok. Ensuite... Oula. Ouais, peut-être ça, mais ça a l'air dur. Non, c'est bon. Ça passe. Ici aussi. Et enfin, la vraie descente, elle est là. Bon ben voilà. Nouveau donjon à explorer. Petit donjon toujours, hein, mais peut-être donjon intéressant. Je vais peut-être me reposer quand même juste pour pouvoir récupérer mes objets de soins et repartir de zéro. Alors qu'est-ce que je vois ici? Ah d'accord, c'est quelqu'un qui a carrément mis un message. Bon, on ne se spoil pas, hein, je lis pas les messages volontairement. Ouh, est-ce que c'est une zone qui a l'air sympa? Peut-être. Hein, en tout cas, une zone avec des humains, ça fait longtemps. Clairement. Attends, que je dis ça, il y a quoi devant moi quoi? Ah, et en plus, il résiste. Waouh, attends, calme-toi. On va garder les potions avec nous. Ah mince. Et... Attention, le feu. Il utilise exactement la même technique de feu que celle que j'avais moi. Alors ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des éléments de forge absolument partout, on va vraiment les récupérer. Ouah, attention, calme-toi, aussi. Et ça, alors ça va être quoi? Ça va être des ennemis encore à tuer relou ou pas? Alors on me donne quoi? Pierre de forge 4. Ah, ce qui est pas inintéressant du tout. Est-ce qu'on peut faire la même chose? Oula, attends, parce que là ça vaut pas le coup. Ah si, mais si, je peux le faire tomber pour de vrai. Allez, dégage. Et là on tue. Ah, les combats à l'échelle c'est moins palpitant, mais bon c'est toujours rigolo de voir qu'ils y ont pensé. Alors ce qui m'étonne par contre c'est qu'il n'y ait pas de raccourci, donc ça veut dire que là... Bah voilà, j'allais dire soit le boss est très bientôt, soit ça va être chaud. Ah mais attends, alors je vois double porte. On va commencer par celle-ci. Ah! Qui amène à un TP. Oh! Oh! Ah d'accord, alors attends, on va parler. Déjà je vais sauvegarder.
Voilà. Ensuite, on va parler à notre ami Po. Qu'est-ce qu'il fout là ? Where did you spring from? This was supposed to be a dead end, I'm sure of it. What's going on here? A door from thin air? Well, stranger things happen at sea, or so I'm told. But onward to the Caelid Wilds. Gosh, that dead end had me rather stumped. It's time I set off to the festival at Redmayne Castle on the southern edge of the Scarlet Rot blighted Caelid Wilds. Doesn't the thought just set your heart aflutter? Le fameux festival. J'ai hâte qu'on y soit, hein, ça va être très bien. J'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que j'ai pas pu le débloquer. Je pense qu'il me manque un événement qui aurait dû arriver, mais bon, c'est pas très grave. Ah, attends. Mais non. Vous allez voir que je me retape le même boss. Ils ont pas fait ça quand même. Mais non. Ah non, c'est bon. Oula, dragon du Quoi ? Ah d'accord. Bonjour. Alors, est-ce que je lui fais des dégâts ? Oui, mais bon. Il est pas gratuit quand même. Aïe ! Waouh, le feu ! Oh, il a fait si mal ! Ouh là là, ouh là là. Je vais me taire, je vais me concentrer parce que je sens que ça va être chaud sinon. C'est le cas de le dire. Alors le pattern n'a pas l'air horrible. Contrairement à d'autres trucs qu'on a pu faire avant. Par contre j'aurais dû garder mes potions là, j'ai merdé. Ok, alors j'ai compris le message. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Voilà, ensuite je vais esquiver. Et ensuite on va donner tout ce qu'on a. Oh, cette chance! Mais cette chance, c'est incroyable. Oh là là, mon dieu, mais cette arme, elle est tellement parfaite. L'arme du bourrage un peu, hein, mais tellement agréable à jouer. Ah, par contre, ça c'est pas cool. On va espérer qu'il n'y ait pas une sorte de P2 où il se met en mode dragon de feu et tu peux plus le taper. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Oula, oula, c'est quoi cette rotation là qui vient de nulle part? Rotation du futur. Dur à lire quand même le boss là. Aïe. Ouah, attention, soigne-toi. Ok. Il fait quoi, la rotation ou feu? Non, du feu. Alors c'est rigolo parce qu'on a l'impression qu'il a comme une épée en main. Et pourtant il s'en est pas servi depuis le début. Problème d'endurance là. Attention, faut que je recharge. Ouais là faut vraiment que je pense à l'endurance. Faut que je me soigne. Tant pis pour là faut que je tue là. Allez, vous y croyez, moi j'y crois. Quel con. Allez, je tape 3 fois et c'est fini. 1, 2 et 3. Allez, first try, c'était beau. Cœur de dragon obtenu, éclipse lunaire. Ouh, ça sent le katana du futur, ça. Quel dommage que ce soit inaccessible parce qu'encore une fois, ça donne tellement envie les katanas là. Ouais. Katana, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu jouer. En plus, là, je vois double saignement, j'aurais pu jouer double katana, ça aurait été tellement merveilleux. Bon, bah, trop cool, trop cool, trop cool. Donc, nouveau petit donjon, et puis en plus, derrière, petite récompense, pourquoi pas. Je vais récupérer ça, évidemment, et ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être tenter... Alors, attends. D'accord, il se met en route, jusque-là, tout va bien, il nous dit que c'est cul-de-sac, mais il y a ça quand même devant, donc ça donne envie de tenter. Est-ce que c'est vraiment un cul-de-sac? Bah non, pas du tout. C'était sûr et certain. Quand soudain, on arrive. Oh putain! Ah ouais, d'accord, ok. En fait, c'était l'inverse. C'est-à-dire que là, j'ai fait le raccourci dans l'autre sens. Trop bien, d'accord. Et donc, en fait, c'était un passage dérobé qui nous menait directement dans Caelid, quoi. À moins que... Alors, je vais quand même regarder, mais... Non, ça a l'air d'être ça. Avec les différents spots où on pouvait monter, en gros, il y avait toute une espèce de parcours à faire et c'était bon. Oh, génial, mais juste génial. Alors, par contre, là, effectivement, il y a encore quelque chose qu'on n'a pas forcément vu. Peut-être que ça vaut le coup de descendre quand même juste la route très rapidement pour voir s'il n'y a pas éventuellement des secrets. Et là, on retourne en Nécrolimbe. Oh, mais ça n'a aucun sens. Mais, ceci dit, peut-être que c'est un message de Elden Ring qui nous dit, bon,
Kaelid, c'était cool. Mais ne serait-il pas temps de revenir en Nécrolimbe et de continuer l'exploration telle qu'elle aurait dû être, avec de gros guillemets, normalement, et donc de repartir sur finalement des zones un peu plus traditionnelles, sans doute des choses que j'ai pas eu l'occasion d'explorer d'ailleurs. Il y a peut-être un petit peu de ça. Non, je déconne. En fait, on va aller du côté de la zone des dragons, évidemment. Alors, dans les dragons, il y avait notamment la carte que je n'avais pas récupérée. Alors, je pense que les dragons eux-mêmes ne sont absolument pas à ma portée. D'ailleurs, je peux faire un test rapide hein, si j'en tape un comme ça. Oh, quoique. Bon, chaud, mais faisable. Donc oui, effectivement, les dragons, on pourra éventuellement les taper, mais c'est pas le but premier. Là, ce que j'aimerais faire dans un premier temps, c'est aller chercher... la carte. Alors la carte, pour vous montrer vite fait, je ne peux pas évidemment, mais elle est dans cette direction si je vais tout droit. Il y a quand même peut-être un donjon aussi qui peut être intéressant, c'est cette tour. Cette tour absolument immense qui donne très envie d'être explorée. On va pouvoir s'y rendre juste après, mais dans un premier temps, je veux vraiment récupérer la fameuse carte. Donc la carte, elle est là, ce sera en deux. Comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Eh bien, à chaque fois qu'on regarde la map lorsqu'elle n'est pas encore découverte, il y a ce fameux petit point en fait que l'on aperçoit et qui nous donne la piste. En nous disant, bah là, potentiellement, oui, il y a un vrai point d'intérêt, donc ça vaut le coup de s'y rendre. Allez, je vais... Ouais, il y a plein de choses, en fait, qui me donnent envie d'explorer. On va déjà aller là, et on verra ensuite ce qu'on fait de l'information avec cette fameuse tour. Mais là, pour le moment, on va boucler cette zone. Alors, qu'est-ce qu'on a comme directive? On a le point numéro 2 qui est... Voilà, regardez ça. Alors évidemment, le dragon qui est posté, on va le laisser tranquillement. Et là, nous avons la carte de la terre draconique qui nous est proposée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aller sur la tour pour ensuite ouvrir la carte. Tiens, d'ailleurs, je vois qu'il y a un ennemi ici qui a peut-être des choses pour nous, d'ailleurs. Oula, attends, il a l'air résistant. Ah ouais, grave même. Alors je l'ai fait tomber. Et en plus, j'ai un problème d'endurance, quoi. Il est tellement résistant que je peux même pas taper en boucle. Voilà, c'est fait. Oh, la petite bombe et la pierre de forge sombre. Super. Alors, est-ce qu'on peut monter dans cette tour? Est-ce qu'il y a quelque chose à y faire, tout simplement? Oh là, mais oui! Complètement. Hop. Alors, est-ce que je peux descendre? Oui. T'es monté. Abusé. Alors avant de faire le fifou, je vais quand même regarder s'il n'y a pas potentiellement un truc pour sauvegarder quand même. Mais j'en ai même pas l'impression. Hein. Je n'en ai même pas l'impression. Alors, je vois en bas qu'il y a peut-être une perspective de quelque chose qui pourra m'aider. Mais j'ai quand même envie de tenter l'échelle. Qui a l'air d'être en fait un puzzle assez fou. Cette tour, elle me donne vraiment très très envie. Donc je remontre la carte. On est ici, d'accord? On est vraiment posté à cet endroit. Alors, il y a ça que j'ai pas eu l'occasion d'explorer, puisque bah, du coup, c'était l'endroit où il y avait les combats, mais que pour le moment, je ne peux pas faire. Par contre, on avait eu l'occasion d'aller dans le sanctuaire bestial, même si ça ne nous avait pas apporté grand-chose. Et là, en fait, c'est toute la zone où on avait fait, rappelez-vous, le combat contre le chevalier. Donc, bah, concrètement, on est plutôt pas trop mal parti. Maintenant, ce que je vais devoir faire, à mon avis, c'est vraiment gérer mieux cette zone-là. On va descendre et bah, je vais devoir le gérer sérieusement, comme ceci. Voilà. Et là, on lui dit au revoir. Très bien. Ok, j'ai eu peur parce que quand j'ai vu que je me suis fait quand même tuer aussi rapidement, j'ai craint le fait d'être dans une zone beaucoup trop haute pour moi en niveau, mais en fait ça a l'air d'être tentable, hein, donc on va essayer. Alors ce que j'aime énormément avec ce genre de puzzle, entre guillemets, c'est vraiment cette idée de me dire que bah ouais, on explore quelque chose qui donne presque l'impression de ne pas être explorable, alors que pourtant ça a l'air d'être le cas. Alors je vois des choses encore une fois, là on pourrait vouloir monter, mais est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Est-ce que le cheval est pas le meilleur allié là? On voit des choses, hein, clairement. Ok. Attention. Très bien. Est-ce que je peux encore monter? Oui. Est-ce qu'il y a encore moyen? Oui, bah oui, allez, on va tenter, on va tenter. J'adore l'idée de cette tour. Vraiment, je trouve ça trop ouf. Le vrai puzzle de map, en fait. Oula, attends. C'est un ennemi, là, que j'ai aperçu? Je suis pas sûr. Bon, c'est pas grave. On va utiliser l'échelle.
Alors le checkpoint n'aurait pas été de trop, honnêtement. Après, ce sur quoi il faut que je reste vigilant, c'est aussi la présence de... comment dire, d'un chemin entre guillemets bon et mauvais, parce qu'on a déjà eu cet exemple là d'une tour qu'il fallait grimper, alors pas aussi grande que ça, hein, c'était dans l'épisode avec le château du lion rouge, et en gros bah, le chemin de gauche menait à un truc extrêmement difficile et le chemin de droite à un truc absolument tranquille quoi. Donc c'est vrai que des fois, il faut faire attention. La tour divine de Kaelid. Est-ce qu'on arrive beaucoup trop tôt dans cet endroit? C'est pas impossible. Bon bah on va voir, c'est pas grave, si le jeu le permet, moi ça me ravit honnêtement. Donc là, typiquement, j'avais le choix entre chemin gauche, chemin droite et une porte. Ah, d'accord. C'est même pire que ce que je pensais. Ah non, d'accord. Cette porte-là, elle s'ouvre. Oh non, c'est bloqué! Ah, oh, je suis dégoûté! Je suis absolument dégoûté. Bon, attends, on va tenter l'autre chemin. Oh, et là, il me fait descendre. Oh, je vais être dégoûté. Je sens que c'est tellement, tellement la déception qui m'attend. Ou alors, peut-être qu'il faut faire plein de choses en bas pour ouvrir la porte d'en haut. Ah. Oula. D'accord, des ennemis qui vont peut-être... être un peu plus difficile que l'ordinaire, mais c'est pas grave. Le challenge, c'est maintenant. Ouf, j'ai fait une esquive, malgré moi, absolument folle. Allez, on tue le premier. Alors, 1000 de récompenses par soldat, ça commence à être sérieux par contre. Ce qui est rigolo, c'est que ce sont les ennemis du début, mais par contre en beaucoup plus complexe. Aïe, ah ouais. Oh, le two-shot, il fait mal. Alors c'est la règle des trois coups inversés. C'est-à-dire que normalement, je vous avais dit en début de let's play, quand tu fais trois coups sur un ennemi pour le tuer, c'est que c'est bon. Et après, derrière, bon, l'autre règle, on va dire, c'est la règle des quatre coups ou cinq. C'est-à-dire si l'ennemi a besoin de quatre ou cinq coups pour te tuer, bah grosso modo, c'est que t'es ok quoi, en défense. Et là, c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer. Mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Alors, on va fouiller le corps. Et là, j'ai obtenu la tunique du lion rouge. Alors, je pense que c'est déjà la tenue que j'ai, mais je vais quand même vérifier. Ah, c'est pas exactement la même chose. Alors, une meilleure défense physique, mais en fait, pas beaucoup d'avantages. Donc, on va la garder telle qu'elle est. Et là, on voit plein de choses. Ouh. Ah. Est-ce que ce ne sont pas des feux qu'il va falloir allumer? Et en fait, quand tu allumes les feux en question, impossible d'ouvrir de ce côté, ça te débloque la porte qui est en haut. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Oh! Mais ce donjon de ouf! D'accord, ok. Oh là 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 là, ça a l'air trop bien. Alors je regarde. Ça n'a pas l'air de marcher, alors je sais pas exactement ce qu'il faut que je fasse. On va continuer l'exploration dans ce sens-là. Mais alors si on est sur un donjon qui est, on va dire, une sorte de donjon vertical comme ça, ça va être vraiment trop bien quoi. Ça va être vraiment 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 trop bien. Quelle idée. Ah, je suis mort. Je ne suis pas mort. Ce level design. Alors il n'y a rien là. Par contre, encore une fois, on va pouvoir descendre. Ça a l'air difficile là. Allez, ça marche quand même. Un objet à choper. Une rune dorée, 12. Hein, ça commence à être très, 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 très costaud. Et je ne vois... Oh, pff, non mais regardez ça, mais regardez ça. Mais qui arrive à faire ce saut, là? C'est vraiment ce saut que je dois faire? Oh la vache! Elle est très grande la tour, mais ceci dit, si jamais t'arrives à glitch le jeu et à tomber comme il faut, potentiellement c'est le checkpoint. Mais alors là, voilà le puzzle quoi. Je peux peut-être juste descendre comme ça en fait. Exactement, il fallait pas faire de roulade ou de saut ou de truc, c'était vraiment juste un saut. Enfin, comment dire, un chemin basique. Aïe 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 aïe. Ah mais comment oses-tu quoi? Ah non. Oh, j'ai réussi. Je suis en vie. Je sais pas comment j'ai fait, mais je suis en vie. Très bien. Là. Oh non, des ennemis qui viennent te voir carrément, quoi. Pouah, le jeu qui a tellement aucune pitié. Alors, ce que je peux faire éventuellement pour lui, c'est récupérer temporairement un bouclier.
un bouclier que je peux équiper, voilà, sans que ce soit trop un problème. Et comme ça, si vraiment il me pose souci, je fais... comment ? Je fais une parade, en fait. Ah, il y a l'ascenseur, regardez ça ! Ah, yes ! Un raccourci. J'ai peur. Oh là 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 là. Merci les attributs de mon arme qui font clairement, mais alors clairement le taf dans ce genre de truc. Alors, je peux monter. Pourquoi pas? Mais est-ce que ça veut dire que d'un coup ça me permet d'appeler aussi? Ah, c'est la porte qui était fermée. C'est la porte qui était fermée juste au-dessus, vous allez voir. Pas du tout. Attends, trop de choses là. Toujours pas de mur invisible. J'aurais pas le droit. Hein. Ennemi droit devant, mais ça je m'en fous, moi c'est ça que je voulais voir. Voilà, il y avait une échelle qui était quand même planquée. Peut-être qu'on peut s'en servir. Oula, il se passe des choses devant. Cet endroit me fascine. En fait, bon déjà, vous le savez peut-être pas si vous êtes nouveau et nouvelle sur la chaîne, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai un affect de ouf avec les tours dans les jeux vidéo. En fait, je trouve que le concept... de zones à étages, de défis de plus en plus relevés, de choses comme ça. C'est vraiment un truc qui me parle beaucoup, en fait. La façon dont ça peut être géré et les jeux qui ont justement des tours à proposer. Bah, généralement, je trouve vraiment qu'il y a des bonnes idées, quoi. Je pense par exemple à Azure Dreams, pour ne citer que lui. Il y a aussi des jeux tels que Shadow's Tale, par exemple. Je sais pas, il y a un truc qui fait que ça me parle. Et là, de retrouver à la fois cet esprit-là dans... Oula ! Ce Elden Ring... Et en même temps, ben, une super idée de level design, quoi. C'est, je trouve ça trop bien. Alors lui, il va me faire mal. Hein. J'annonce gros ennemi, là. Oh, la portée qu'il a, c'est n'importe quoi. Alors, je pensais même pas que je pouvais le faire tomber comme ça. Oula. Ça c'est quoi? D'accord. Et encore? Très bien. Esquive. Et bim. Tout ça pour si peu de récompenses? Je suis choqué. Je suis choqué. Par contre, c'est un ennemi qu'on pourra éventuellement zapper plus tard si jamais je sens que la difficulté se fait trop présente. Ah, par contre, c'était une belle récompense peut-être à la clé. Un arc runique de nouveau, bah on va le garder précieusement. Ah ouais, non mais vraiment, tout cet aspect de devoir longer les bords comme ça et trouver les bonnes plateformes, enfin je trouve vraiment l'idée brillante. Surtout que c'est un truc qui est très emblématique des Souls, cette idée de tomber sur la bonne parcelle et tout ça. Il y a toujours eu vraiment cet esprit-là, et d'avoir réussi à le restituer dans un authentique donjon, bah ouais, juste bravo quoi. Alors est-ce qu'on a la même chose? Oui. Ça, je me pose vraiment une question. Vous voyez, là je prends pas de dégâts. Donc, question suivante. Est-ce que j'aurais pu gruger complètement le jeu et faire en sorte que la première fois où j'ai ce truc-là, je me débrouille pour ne pas crever en fait, enfin, à ne pas tomber sur la bonne plateforme et tomber jusqu'en bas. Je suis sûr qu'il y a moyen d'arnaquer. Oh là là, et j'ai réussi à être... Oh, mais trop cool, mais juste trop cool. Mais ce jeu me tue, putain, c'est tellement bien. Mais c'est tellement bien. Alors, on a quoi? Je pense pas qu'il y ait la suite en dessous, mais par contre... On voit un escalier, clairement. Alors là, très clairement, j'ai aussi dû zapper sans doute des choses qu'il y avait à voir dans les étages intermédiaires. Je m'occuperai de regarder ça. Ah, et de nouveau un ennemi. Alors on va lui régler son compte. Ouh, il y a un boss juste derrière. Alors vu la gueule de l'ennemi, j'ose pas imaginer la gueule du boss. Hein. Il y a moyen que ce soit genre relativement chaud. Allez, là il doit pas être loin de mort. C'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est plié. Pas de récompense, mais c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir derrière cette porte à votre avis? Je pressens soit la suite du donjon, soit un boss de tous les diables. Et dans les deux cas, ça va être ouf. Allez, c'est parti!